Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre. Il est 11h et je vous amène faire un tour sur le boulevard des Pyrénées où il y a un arbre qui est magnifique et qui est très utile quand on veut faire de très belles photos et aussi de très belles images en vidéo. Maintenant, direction boulevard des Pyrénées et place Royale et au-dessus du pavillon des arts. Maintenant sur le boulevard des Pyrénées et je crois que je vois l'arbre là-bas au fond, dont je vais vous parler et qui va être à l'honneur avec cette vidéo. Regardez-le, il est magnifique. Oui, je pense, il est splendide. Perçois maintenant, il est majestueux. Regardez. Bon, ça peut être très joli parce que je vais avoir le réverbère en premier plan. Enfin, quand même. Si, marvelous. Regardez-le dans toute sa splendeur. Regardez-le à droite, il est majestueux. Voilà, une vue sur les coteaux, avec un encadrement des arbres. Encore une belle vue. Direction maintenant, au-dessus du pavillon des arts. C'est joli avec l'arbre à droite. Allez, direction ici. Maintenant, je vais vous montrer comment faire de belles photos avec cet arbre en fond ou sur le côté. Maman, j'y vais. Regardez, je crois que ça fait une très jolie image. Il est mis en valeur, Jean-Pierre. Là, nous avons ce qui met en valeur la ville, la fontaine de Vigny, les parterres fleuris, au fond, le pygmélie d'Ossau, avec les branches de l'arbre qui font un cadre. Et encore, n'est-ce pas magnifique comme ça? Présentation de la chaîne avec un demi-cadre. Encore une vue qui me plaît. Les deux arbres pour entourer au fond le pygmélie de Bigorre. Plan général. Magnifique le pygmélie d'Ossau comme ça entouré. Maintenant, allons par là pour voir ce qu'on peut faire comme une jolie vue. On devine le pygmélie d'Ossau. Une autre vue avec lui à gauche et les coteaux en face et à droite. Et je vais vous montrer le voir depuis en bas, le long du canal Aïde et le sentier du roi. Vous voyez qu'avec lui, on peut faire de magnifiques photos de la chaîne des Pyrénées. Et pour cela, je vais prendre le funiculaire. Je vous l'ai déjà présenté à maintes reprises. Pour aller voir ce fameux arbre depuis le bas. Voilà maintenant sorti le funiculaire. Et je vais aller sur le parking là pour vous montrer cet arbre qui est magnifique. Regardez-le. Je me trouve sur le parking du conseil général où il est possible de se garer quand il n'y a pas de personnel. Maintenant, je vais vous le montrer par là. Vous voyez, c'est l'ancien fronton de la pelote de la section paloise, section pelote basque. Et SP, section paloise. Il y avait avant souvent des compétitions ici. Il a été déporté, il est maintenant à côté du Zénith, le palais des sports. Je me trouve pratiquement au fronton de la section paloise pour vous le montrer dans sa magnificence. Il est majestueux et splendide. Des arts. Et lui. Maintenant, je vais passer sur le sentier du roi pour le présenter d'un autre côté. C'est ici. Devinez à gauche. Et là, nous sommes au pied du pavillon des arts.
Le voilà. Voilà, c'était ma vidéo de ce jeudi 29 octobre pour vous montrer cette magnifique arbre qui va vous aider à faire de très jolies photos et vidéos. Il vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michaud News. À bientôt! L'arbre depuis le funiculaire. Regardez, le pic d'eau se couvre. Il va bientôt pleuvoir. Magnifique.